Blessé? Léo. Hein, qui sera Léo et puis Savanier qui va être suspendu. Ouais. Pardon? Ouais, il est resté tranquille ce matin. Pour l'instant, oui. Ah oui. J'espère que oui. Ouais. C'est bien, c'est des gamins, il y a beaucoup de gamins, c'est les vacances scolaires. Ouais, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde sur le stade. C'est bien. Ouais, bah, ils sont quatrième aujourd'hui. Voilà, à nous de réduire le rapport de force qu'il y a entre eux et nous. Ça, c'est la compète, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui se blessent, il y a des joueurs qui sont suspendus. Voilà, ça peut être même le cas de leur côté aussi. Je sais pas, j'ai pas suivi leur semaine, mais ils peuvent avoir aussi des blessés. Ils peuvent avoir... Comme ça, c'est le foot. Hein. Comme ça. Mais il va falloir déjà répondre bien présent dans les duels. Être très compact ensemble, bien le faire, bien récupérer le ballon ensemble, après bien l'utiliser aussi, parce que c'est une équipe qui joue beaucoup aussi, voilà, se déséquilibre aussi par moment, mais à nous de bien utiliser le ballon et d'être en capacité de leur faire mal aussi. Et puis j'espère qu'on va pas subir tout le match, qu'on va avoir le ballon, qu'on va les malmener aussi avec le ballon. À nous d'avoir une bonne sortie du ballon, parce qu'on sait qu'ils vont nous presser très haut. Et à nous de bien sortir les ballons, de bien la garder, pour pouvoir bien attaquer. Hein. Parce que le but, on joue pour gagner, on n'est pas là pour faire que subir et se faire marcher dessus. Hein. J'espère qu'on va les bousculer. Oui. Ouais, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours, je le répète souvent, hein, c'est l'être humain, il a tendance à se relâcher quand on gagne. Non, mais si on dit qu'on est des compétiteurs, ben, il faut qu'on soit compétiteur tous les week-ends. Quand le match il arrive, il faut être présent, répondre présent dans tous les domaines, que ce soit techniquement quand on va avoir le ballon, que ce soit à la perte du ballon, il faut que là, qu'on agisse bien ensemble, voilà. C'est une équipe qui est très puissante. Et comme Marseille, ça répète les efforts. Et il va falloir qu'on soit en capacité de répondre au niveau athlétique et qu'on soit judicieux avec le ballon. Non, non, ça a bien bossé. Ça a bien bossé. Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On a envie de montrer un bon football et être en capacité de. Après, il faut avoir des joueurs avec des caractéristiques aussi athlétiques, qui sont en capacité de répéter, d'aller vite vers l'avant et de bien se déplacer. Des fois, on n'a pas la vitesse, mais on peut être intelligent dans les déplacements et recevoir des bons ballons pour les mettre au fond. Hein. On peut s'adapter à elle, on peut changer le système, on peut tout faire, hein. Tout est possible. Football, comme je le répète souvent, tu peux jouer dans tous les systèmes que tu veux. Après, c'est comment le système il est animé. Ah, à nous de bien exécuter comment on va jouer. C'est ça le plus important, c'est nous. Voilà, c'est toujours pareil, hein. C'est réduire les espaces, réduire les distances d'intervention, pour pouvoir intercepter, pour pouvoir gagner les duels, pour pouvoir les bousculer. Avec Brest, hein, en début de saison, on a joué Marseille, même s'ils n'étaient pas encore au top de leur forme. On les avait très secoués très très fort. Voilà, il faut avoir cette envie-là samedi soir. Il va falloir si on veut. Si on veut continuer notre série de victoires, eh bien, il va falloir
quand on les bouscule. Si on les regarde jouer, et quand je dis bousculer, c'est pas mettre des coups, hein, c'est être le premier sur le ballon, c'est bien récupérer le ballon ensemble et bien l'utiliser surtout après pour leur poser des problèmes. Ouais, pas que. Il y a beaucoup de mouvements dans leur équipe, hein, ça décroche, ça plonge sans arrêt. Quand il y en a qui décrochent, les attaquants qui décrochent, les trois de devant, quand ça décroche, t'as les couloirs qui plongent. Quand il y en a un qui décroche, il y en a deux qui plongent. Et derrière, ils viennent faire les décalages. Les deux stoppeurs, ils viennent faire les décalages. Voilà, il va falloir bien contrôler tout ça. Fofana, c'est pareil. Hein, quand il accélère, ça va vite aussi. Mais il faut qu'en face, ils sentent que ça va être une soirée difficile pour eux. Non, il faut qu'on mette les ingrédients qu'il faut nous. Voilà, après eux, ils joueront comme ils l'entendent. Hein, après. Mais c'est nous, il faut qu'on nous on soit bon dans tous les domaines. Bon, c'est la capacité de savoir protéger les ballons, de savoir jouer simple de face, d'avoir du mouvement et d'avoir de la justesse dans la circulation du ballon. Pour trouver des décalages aussi, nous, il faut qu'on soit en capacité de les éliminer, de faire des bonnes passes, de bien se déplacer. Il y a toujours des espaces. Hein. Il se déséquilibre aussi, il laisse des espaces à nous de bien utiliser ça. Et d'être en capacité de tenir blanc comme il faut. Oui, bien sûr que oui, tous les modèles peuvent être suivis. Après, c'est de bien cibler les joueurs qu'on veut, la façon dont on veut évoluer, voilà, mettre un schéma en place et travailler en conséquence avec des joueurs adéquats qu'on va prendre. À certains postes. Ouais, moi dans ma tête, de toute façon, chaque année, c'est minimum, je pense qu'il faut minimum 13 victoires et des nuls pour arriver à 41, 42, voilà, 43 points. Il faut 13 victoires minimum. Ça veut dire qu'on est à 8. Il en faut encore 5 minimum. Et gratter des points. Supplémentaires. Même si les calendriers vont être très serrés pour tout le monde. Hein. Pour nous, au mois d'avril, ça va être costaud. Au mois de mars aussi, même si on joue des concurrents directs, les matchs sont difficiles. On l'a vu à trois. Pour gagner les matchs, il faut être bon. Non, il faut qu'on voit. On voit que le maintien aujourd'hui. Après, il faut arriver à 42 points et après on verra quoi. Mais il faut arriver à 42 points d'abord. Ça veut dire qu'il faut gagner minimum 5 matchs. Ouais, en fin d'après-midi, oui. Ouais. Mais c'est sur RMC. Je suis emmerdé, j'ai pas RMC. Ouais. Je sais pas, à moins que sur mon ordi j'arrive à le voir, mais j'ai à l'hôtel il n'y a rien. Je suis à l'hôtel moi actuellement. C'est un match particulier, il y aura une ambiance, ça va rappeler des souvenirs plus français. Ah ouais, c'est sûr que ça va être une belle confrontation. J'espère qu'ils vont avoir la force de faire chuter la Juve. C'est bon? Allez, bonne journée.